Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui donne la parole à des brasseurs, amateurs ou professionnels, débutants ou experts, qui nous racontent leurs débuts, leur parcours, leurs galères, leurs succès et aussi leur actu. Moi c'est Aurélie. Et moi Karine, notre idée, partir à la rencontre des passionnés du brassage, écouter leurs histoires, partager des conseils et astuces pour t'aider à progresser dans le brassage de bière chez toi. Tu peux maintenant retrouver ce podcast sur la plupart de tes applications de podcast préférées, Apple Podcast sur iPhone, Google Podcast sur Android, et tu peux aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à en parler autour de toi, à partager. Comme le dit Fable, le bouche à oreille est encore le meilleur moyen de faire connaître ce petit projet. Retrouve-nous sur notre blog commentbrassersabière.fr et sur les réseaux sociaux. Toutes les notes, les liens et les photos de cet épisode sont dispo sur notre blog. Cette fois-ci, nous avons rencontré Nicolas, qui travaille à la brasserie La Soyeuse, située à Rontalon dans les Monts du Lyonnais. Nicolas a commencé en tant que brasseur et il s'occupe aujourd'hui surtout de la partie commercial marketing, mais il n'a pas pour autant mis de côté le brassage puisque c'est chez lui qu'il brasse désormais. Il partage avec nous ses expériences très intéressantes et aussi ses conseils, notamment sur l'hygiène. Un grand merci à Nicolas pour ce chouette échange. Nicolas, donc j'ai 35 ans, je brasse en amateur et en professionnel aussi depuis maintenant 3 ans à peu près, même si j'ai commencé il y a 5 ans à brassouiller, à la maison, dans les salles de bain, comme tout le monde. Donc j'ai découvert ça suite à un atelier d'initiation au brassage à Lyon qu'on m'a offert pour mes 30 ans. C'était chez la Bière Fût. J'ai découvert qu'en fait c'était ça existait. Le gars qui nous a formé entre guillemets était un vrai passionné, et en discutant avec lui, il se dit mais tu devrais essayer un kit pour démarrer avec trois seaux, deux casseroles, tu verras, tu peux démarrer, ça va te coûter 80€, tu fais ta bière à la maison et tout. Et moi à l'époque, j'habitais à Londres. En rentrant, je crois que le soir même, j'ai commandé mon kit après cet essai et j'ai brassé ma première bière dans la salle de bain, parce que c'était le seul endroit où on s'autorisait le chauffage, parce que Londres étant extrêmement cher, on était en communauté, mais du coup la salle de bain, il y avait le chauffage qui était où je pouvais laisser. Voilà, il y avait de l'eau, il y avait une baignoire, et du coup je pouvais faire tout dedans et avoir une température à peu près constante. C'était la seule pièce où il n'y avait pas trop de variations et où le barboteur gênait personne. Avec un extrait, tu fais combien de litres ? Je faisais du 20 litres. Je suis parti tout de suite sur du 20 litres. Bon, voilà, on était beaucoup et on s'est dit que 5 litres, ça servait à rien. Ça faisait même pas un soir. Ça serait marrant de refaire aujourd'hui et de voir finalement ce qui en sort. Je pense que je serais extrêmement critique Sur le goût. Sur le goût, etc. Et je pense que je pourrais plus le faire. J'ai assez vite comparé ça à un pâtissier amateur qui va faire du gâteau Alza en cassant un œuf dedans et en le mettant en micro-ondes. Mmh. Et finalement, après, le mec qui va aller chercher tous ses ingrédients et créer un peu sa propre recette. C'est vraiment frustrant rapidement, finalement, ces kits, parce que au bout de 5-6 brassins, j'ai essayé de rajouter des extraits, j'ai essayé du dry hopping, j'ai essayé des trucs. Finalement, j'ai trouvé que ces goûts étaient présents qu'on trouve avec l'extrait. Ces saveurs étaient tellement présentes pour cacher un peu la misère, on va dire, que quoi qu'on rajoute, c'était compliqué de transformer ce qu'on nous avait vendu finalement, de tout faire. Ça aurait permis de prendre des vraies bonnes habitudes au niveau de l'hygiène. Parce que par contre, que ce soit en tout grain ou pas en tout grain, on se rend compte que si on zappe une étape, c'est évier directement. Ah, t'as raté des brassins. Ah ouais, le premier, justement, le premier c'était tellement bien passé, j'avais tellement été rigoureux dessus, que le deuxième, j'ai dit c'est tellement facile, et j'ai dû zapper une étape, mais c'était imbuvable. Ça, et là, c'était le crève-cœur, j'ai fait non. Mais 20 litres, oh mon dieu, un mois et demi de boulot, on est obligé de racheter de la bière du coup, parce qu'il n'y en a plus. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet de se rendre compte, entre guillemets, à moindre frais, de l'impact que ça a, de ne pas être très très rigoureux sur la partie hygiène. Je pense que beaucoup, même des brasseurs qui commercialisent leur bière, je balance pas du tout, je veux pas être médisant, mais vraiment, il y en a, on se demande s'ils goûtent leur bière avant de les vendre. Commence réellement à s'intéresser à la bière, ça se sent. Il n'y a pas de marge d'erreur, je trouve, sur la partie hygiène. Ouais, c'est vrai.
Voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur, je pense que c'est une chance sur deux brasseurs qui m'ont donc professionnel, puisqu'après, en rentrant en France, j'ai dit j'arrête tout, je veux travailler dans la bière. Ah, carrément, hein. Ouais, c'était, j'ai pas voulu monter ma brasserie parce que je me connais, je sais que je suis quelqu'un qui est un peu flemmard, j'aime bien être salarié, j'ai essayé l'entrepreneuriat avant et c'est pas pour moi, donc je me connais et je sais ce que ça implique de lancer une boîte et je sais, et encore plus brasseur, que ce soit la production la semaine et les marchés, les ouvertures et compagnie, les foires tous les week-ends, etc. C'était pas pour moi, je le savais. Donc voilà, je suis rentré comme assistant brasseur dans une brasserie bio à Gex, après l'Angleterre, qui travaillait dans la pharmacie avant et qui du coup était d'une rigueur draconienne sur la partie justement. hygiène, et du coup j'ai pris des habitudes pro très très rapidement que j'ai pu ensuite adapter à la maison, et depuis je touche du bois, mais j'ai plus un brassin qui était infecté parce qu'on s'est rendu compte de ce que c'était. Quand c'est 20 litres qu'on met, bon, ça fait mal au cœur, mais quand on est professionnel et que c'est 1000 ou 2000 litres qu'on est obligé de, ben, pour certains, de mettre en bouteille et de vendre, mais pour d'autres, de mettre effectivement en fût pour les distiller ou pour faire autre chose. Après, on peut récupérer ça, mais quand c'est perdu pour la prod, c'est compliqué de rebondir. Et du coup, t'as quoi comme formation à la base? Donc j'ai été sur une partie commerciale et gestion de points de vente. D'accord. Donc absolument rien à voir. Du coup, ensuite en revenant sur Lyon, donc après ce passage à Gex où j'étais assistant brasseur, où du coup là j'ai vraiment appris le métier de brasseur, de la partie production, je me suis un petit peu formé aux méthodes, aux outils, à toute la partie, on va dire, vocabulaire technique, etc., puisque c'est quand même tout un monde. Les circuits de distribution, j'étais déjà dans du bio, et du coup j'ai été au contact très rapidement de gens qui avaient un peu les mêmes, finalement, qui m'ont un peu formé aussi à toutes ces valeurs-là. Et du coup, en revenant sur Lyon après, je suis arrivé ici où je suis tombé sur, finalement, copie conforme. Ça collait bien, copie conforme de mon ancienne de mon ancienne maître brasseur qui brassait à Gex. Et j'ai continué dans le bio, le respect de l'environnement, et avec des gens qui sont très très sérieux sur la partie hygiène. Et alors, en parallèle de ton évolution professionnelle, tu as encore plus brassé chez toi? Du coup, pas tant que ça, parce que à Gex, j'avais plus de matériel, puisque j'avais tout laissé à Londres, j'avais tout revendu. Pendant un an et demi, j'ai plus retouché, parce que j'en faisais bien assez, on va dire, la semaine. J'en avais plein le dos, et c'était le cas de le dire. Et c'est vrai que, de toute façon, on va dire que j'apprenais tellement que j'avais même plus forcément le temps, mais non plus l'envie de tester autre chose, tellement j'avais de nouveautés, de choses à apprendre et à appréhender quotidiennement. Et c'est en revenant à Lyon seulement, donc voilà, ça fait un an et demi que je suis ici, que j'ai repensé à acheter du matériel, et du coup ça fait que mon deuxième brassin en tout grain tout seul. Voilà. Donc depuis, ça fait deux mois et demi que j'ai du matériel, où en parallèle effectivement je rebrasse à la maison. Et alors, qu'est-ce que tu as acheté comme matériel pour brasser à la maison? Alors du coup, je suis parti sur un Klarstein en 30 litres. Donc c'est des types Grainfazer qui font cuve d'empattage et cuve d'ébullition en même temps. À la base, c'était faute de place. Donc j'ai eu la chance de déménager dans une maison. Donc maintenant, c'est plus trop la place le problème. Mais c'est vrai que c'est quand même un outil qui est révolutionnaire en termes de simplicité. On n'a pas besoin d'avoir 60 000 étages une casserole et de faire tout en gravité avec un seau, une autre cuve, de faire ses soudures soi-même. Certains diront que c'est peut-être un peu être fainéant, mais moi je trouve que ça n'enlève rien à la partie artisanale du brassage et amateur du brassage tout grain. Ça facilite plus. Il existe des outils aujourd'hui qui sont super bien faits, et franchement, cet outil en est un. Il y avait le prix aussi qui faisait que c'était abordable pour à peu près les mêmes fonctions. On était sur, franchement, 600 ou 700 euros de moins que les grandes marques. Ouais. Là, on a testé ça. Je dis on parce que le brasseur de la brasserie a acheté le même matériel que moi. Du coup, on s'est automotivé les deux à tester un petit peu ça.
c'est intéressant de pouvoir échanger sur ce qu'on comprend en fait du matériel, etc. Avec ça, j'ai deux fermenteurs de 30 litres en inox, de la même marque. Le seau en plastique allait très bien, mais on va dire, dans un souci purement esthétique, j'ai vraiment trouvé l'inox plus joli et plus pro. Et c'est vrai que c'est quand même assez pratique à laver. Ça m'inspire plus confiance, en fait, quand je fais mes désinfections que le seau ou la première rayure. Après, c'est super dur d'aller en profondeur dans le nettoyage. Donc, pour le moment, j'en suis effectivement très content. Et l'orge, tu le trouves où? L'orge, l'avantage effectivement, c'est qu'il y a quelques tonnes autour sur mon lieu de travail, donc du coup c'est effectivement pratique. Ouais. On achète, en tout cas pour la partie pils, un sac au patron avec le collègue, et on tape dedans, et puis on sait d'où il vient en plus, puisque c'est l'orge qui a été récolté par la brasserie, donc c'est l'orge d'ici. Donc il y a vraiment quelque chose en plus à utiliser le malt qu'on connaît, quoi. Et après, pour les maltes spéciaux, soit Bière et Moi, donc qui a un magasin qui vend vraiment en petite quantité spéciale dans Lyon, soit Rolling Beers, où vraiment quand je cherche des trucs un peu plus particuliers, je suis obligé de retourner sur Brouland, même si les frais de port sont un peu plus élevés. Et t'es content de tes bières alors? Alors la première, je suis pas du tout content parce qu'elle a pas du tout fonctionné. Alors j'ai voulu faire une blanche aux fruits au lieu de commencer entre guillemets par la facilité, par faire une recette que je connaissais. Pour tester le matériel et le prendre en main, compliqué au niveau de mes temps de chauffe. Enfin, la machine étant électronique, c'est des réglages qu'on fait. J'avais pas du tout pensé qu'il y avait une inertie, il allait avoir des temps qui allaient être plus ou moins longs, même en monopalier, suivant la puissance de la machine qu'on mettait, on avait parfois des variations de 2 degrés en plus et en moins. Et bref, mon extraction était déjà compliquée, du coup, pas la densité initiale que je voulais, c'était en dessous parce que pas réussi à faire une température d'empattage qui était assez régulière, et ça a été pas génial, quoi. J'ai eu un problème de refermentation, c'est-à-dire que ça pas refermenté, ma densité ne baissait pas, je suis resté bloqué à 1020, j'arrivais pas. Mais c'était fini, donc que avec ces montées un peu de température pendant mon empattage, j'ai extrait des sucres résiduels qui n'étaient pas du tout fermentescibles, et du coup j'avais pas assez de sucres fermentescibles. Enfin bref, elle n'était pas infectée, il n'y avait pas de faux goût dans cette bière, il y avait au moins, c'était ça mon process, on va dire, purement hygiène. Il était nickel parce que la bière n'était pas infectée après, mais pas de bulle, pas de corps. Donc là, ça a servi à faire de la cuisine. Bien. Et même si tu en ouvres une maintenant, non, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que une fois que j'ai vu effectivement que ma densité ne baissait pas, j'ai tenté des expériences, à savoir essayer de réoxygéner mon moût pour faire repartir, etc. Ouais. Et en faisant ça, je l'ai oxydé. Et du coup, là, le deuxième brassin, c'était à nouveau une blanche que j'ai faite au poivre de Cayenne. Il me restait forcément un peu de malt de ma dernière blanche ratée, donc j'ai dit, on va pas rester là-dessus. Mmh. J'ai refait une blanche où ce coup-là, ça a été beaucoup mieux, c'est allé très très bien, j'ai compris comment la machine fonctionnait, j'ai réussi à avoir mes bons paliers de sa clarification qui étaient très bien, j'ai pu avoir l'extraction qui était comme je voulais, ma densité initiale était très bien, ma densité finale était pas mal non plus, à peine au-dessus de ce que je voulais, ça a pas tout à fait atténué comme j'aurais voulu, mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. Après, c'est des recettes où on utilise un logiciel, et moi j'aime bien adapter, donc j'ai adapté le poivre, je me suis dit, est-ce que ça va changer un petit peu? J'ai changé rapidement quelques quantités entre le malt de blé et le pils, et du coup ça a peut-être fait que le résultat théorique était différent, mais c'était pas aussi énorme, donc du coup je me suis pas alerté là-dessus, et j'ai eu un autre petit souci du coup, mais que j'ai réussi à rattraper cette fois-ci proprement. C'est au moment du resucrage. Donc jamais je l'ai fait toutes un petit peu comme ça après. Une fois que j'ai intégré mon sirop, il y avait pas mal de dépôts parce que malgré le spider que j'ai utilisé pour en mettant le poivre et la coriandre dedans en même temps que les houblons, j'avais quand même un dépôt assez conséquent au fond de mon fermenteur, et du coup j'ai pas remué trop fort en incorporant mon sirop avant la mise en bouteille. Erreur, parce que du coup, vu que je l'avais mis en garde,
J'avais plus grand chose en levure en qui étant là en suspension, ouais. C'est ça, dans la bière, c'était vraiment tout sédimenté, ça. Alors la garde a super bien marché, hein, c'était parfait, sauf j'ai une bière très claire, sauf que ben après 3 semaines en bouteille, ça a fait. Ouais. Et du coup, alors le goût était exactement ce que je voulais, mais sans bulles. Encore une fois, j'ai réfléchi, j'ai fait qu'est-ce qui se passe, j'ai lu des choses, et notamment le technique brassicole, qui pour moi est la bible absolue au niveau du brassage. J'ai vu qu'effectivement, si on faisait ça, c'était bien de réensemencer avant la mise en bouteille, parce que c'est possible qu'effectivement il n'y ait plus assez de levure en suspension. Donc j'ai fait un truc qui n'était pas très académique, une fois de plus le foutu pour foutu, en réensemençant chaque bouteille. Donc j'ai tout décapsulé, tout mon brassin, et j'ai remis dans les bouteilles, directement à la bouteille, un peu de levure. Un petit peu de levure, mais que tu avais pesé, non, juste... Comme ça. Alors là, je me suis dit, niveau infection, ça va être génial. Après, il y avait quand même eu un pchit, il y avait quand même déjà eu une petite refermentation. J'avais quand même la fermentation primaire, donc du coup, j'avais quand même de l'alcool. Donc le risque était un peu moins élevé au niveau de Le risque, c'est que ça pète aussi. Sachant que j'ai pas rajouté de sucre, finalement, elles n'avaient pas plus à manger, les levures. Donc, le risque d'explosion, je les ai quand même mises dans un seau fermé, bien, parce que j'avais peur. Mais non, il n'y en a aucune qui a pété, ça n'a pas gueuché à l'ouverture. Et chose incroyable, ça a marché tout en gardant le goût. Donc c'était peut-être un coup de bol absolu, mais en tout cas, voilà, ça m'a coûté un sachet de levure en plus. Et... une heure de boulot pour tout réouvrir et tout refermer, en faisant vraiment gaffe à rien faire tomber dedans, en essayant d'être un peu au maximum stérile avec le chalumeau autour pour justement faire gaffe quand même tout ce qu'il y a, pas me mettre dans une cave avec de la poussière ou quoi. Mais franchement, ça a fonctionné. Avec la même levure, Avec la même levure. Alors, je voulais surtout pas changer le goût parce qu'il me plaisait vraiment. Ouais. Et du coup, je me suis dit que je vais mettre la fameuse triple fermentation. C'est un peu ça, cette bière. Elle a un peu fermenté 3 fois. Une triple blanche. Voilà. Félicitations. Ouais, c'est pas ce que je conseillerais de faire, hein, parce que entre le temps perdu et puis le côté, bon, je vais encore avoir un brassin foutu. Ouais. De toute façon, enfin, j'ai ce côté rigoureux où je suis très procédurier, et du coup, j'ai un carnet de bord où je note à la main, type fiche de brassage, mais personnalisé, où je note exactement chaque chose que je fais. Et du coup, quand je reprends ces notes-là, et ça, je conseille à tout le monde, effectivement, de prendre des notes, parce qu'on se dit, je m'en souviendrai, mais 2 jours après, ou encore pire, 2 semaines après, une fois qu'on a laissé la refermentation des bouteilles, on sait plus ce qu'on a fait, on sait plus quand on l'a fait, on sait plus à peu près quel jour, etc. Faut vraiment prendre un maximum de notes sur tout le détail de son brassage, parce que ça permet de revenir dessus et dire, où est-ce que j'ai merdé? Le but aussi, en faisant, c'est de pas refaire les mêmes erreurs, et ça m'a permis surtout d'identifier là où, peut-être que là j'ai été trop juste, et du coup la prochaine fois je mettrai un filtre sur mon robinet et je secouerai mon fermenteur avant l'embouteillage pour être sûr que tout remonte, et tant pis si elle est pas tout à fait clarifiée, c'est pas grave. Et du coup tu cherches plus les réponses dans les livres et sur les forums? Beaucoup de discussions avec les professionnels avec qui je travaille, donc du coup j'ai la chance d'avoir vraiment des encyclopédies autour de moi, des gens qui font ça depuis des années, qui ont fait forcément un jour c'est les conneries que j'ai fait. Forum, brasseur amateur, hein, où effectivement il y a beaucoup de choses. Faut bien regarder qui répond. Il y en a qui répondent quand ils ont 3-4 messages. C'est peut-être pas forcément intéressant de s'attarder sur leur technique, parce que c'est pas forcément très très judicieux, mais il y a deux trois mecs qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, et qui alimentent le forum, et qui sont pareil, puits de science, et qui ont eux aussi subi tous les déboires possibles, et un petit poste, et on est souvent aidé. Franchement, c'est un forum qui pour moi est pareil, une mine d'or. Mais la discussion avec les gens, les livres et aussi le forum, donc un peu tout partout, je peux trouver une info. Petit conseil alors pour les débutants, on a parlé de prendre des notes, se renseigner un peu à droite à gauche. Ouais. Est-ce que t'as d'autres La bière, si on suit rigoureusement son processus de brassage, franchement, à part l'hygiène, moi, on peut avoir pas assez d'alcool, pas assez de corps, pas le goût qu'on veut, parce que on connaît pas encore les houblons, on connaît pas encore les levures, on sait pas les quantités de malt, etc. Mais
je pense que vraiment ce qui fait qu'une bière est ratée et imbuvable, c'est uniquement les règles d'hygiène qui sont pas respectées. Donc laver vraiment laver ses fermenteurs à la fin de chaque brassin, avant de faire son transfert, les bouteilles, on les lave à chaque fois à la fin de les avoir bu si on les réutilise, parce que c'est super important. Ces outils, on a toujours soit son Chemi Pro Oxy, soit son Starsan, c'est des oxygènes actifs qui sont très pratiques qui à côté, et on fait tremper, on pchit, on pulvérise. Faut pas hésiter à effectivement utiliser, c'est pas des produits chimiques qui sont très agressifs, permet réellement d'enlever toute la présence biologique qu'on veut pas, puisque quand on fait une bière, quand on rajoute finalement une bactérie, quand on rajoute une levure, on a choisi, on veut cette levure, et on veut pas les levures qui se baladent dans sa cave, dans sa baignoire, ou dans son appart, ou dans son jardin, parce que c'est pas celle-là qu'on veut, parce qu'on va avoir du coup des réactions et des goûts qui vont pas du tout être ce qu'on attend. Prendre le temps de laver, il faut prendre le temps de laver, c'est 90% de lavage le brassage, c'est pas autre chose. C'est ce que je dis aux gens, c'est pas si glamour que ça de faire de la bière, hein, on lave beaucoup, beaucoup, souvent. Tout part de là. S'il y a une saleté dans sa bouteille ou dans son fermenteur, c'est les 20 litres, les 30 litres, les 50 litres ou les 5 litres qui sont foutus, parce que c'est le brassin complet qui est changé. Au-delà d'apprendre à connaître son outil, et ça, bon, ça me paraît évident qu'au début, on maîtrise pas forcément son nouveau matériel, il faut juste brasser, hein. C'est en brassant qu'on fait de la bière, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est bête, mais c'est vrai. Faut pas s'arrêter à 1, 2, 3, 7 brassins, 10 brassins foutus. Si on aime ça, il y a un moment où on va sortir la bière, et je pense qu'il n'y a pas plus gratifiant que d'arriver, de faire goûter autour de soi une bière qu'on a réussi, où on a fait à peu près ce qu'on voulait, et où qui est appréciée par son entourage. Incroyable. Donc il faut persister, il faut chercher où on a fait l'erreur si on se plante, et puis faut repartir tout de suite, faut remonter en selle. C'est pas au premier brassin qu'on fera une bonne bière. Ou alors c'est beaucoup de chance, mais. Et puis de l'originalité, de la créativité. C'est ça. Après. C'est quoi tes prochaines. Bah là, je vais essayer de me pencher sur une porteur fumée, parce que j'en ai goûté il y a pas longtemps une rare beer, donc vraiment tradition allemande avec beaucoup de fumée, mais pas le fumée le fumé côté saucisse, quoi, côté fumé merguez barbecue et c'est quelque chose que j'ai trouvé assez original, très sympa, et qui du coup ira très bien avec les grillades aussi. Et l'avantage, c'est qu'avec ces bières-là, elles sont un peu moins compliquées à faire, puisqu'elles ont, on va dire qu'elles sont tellement marquées, tellement aromatiques, que si on a raté un petit peu au niveau hygiène, si on a deux, trois, c'est caché, ça peut être masqué. Donc c'est aussi des bières qui, les porteurs ou les IPA, c'est des bières qui, malgré tout, permettent aussi d'essayer. C'est pas des recettes compliquées généralement. On n'ajoute pas de choses risquées. Et ça permet, si on a un défaut, en tout cas de le masquer. Après, je le conseille pas, parce que du coup, on sait pas qu'on a fait une connerie. Et le jour où on fait une blonde ou une blanche, c'est plus dur. Là, enfin, c'est ça. C'est vrai. Toujours. Bien, écoute. Ouais, merci beaucoup, en tout cas. Mais de rien. Encore un grand merci à Nicolas. On a hâte de venir goûter ta porteur. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. On espère que cette rencontre t'aura plu autant qu'à nous. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé. Abonne-toi au blog Comment embrasser sa bière si tu veux être notifié lors des prochaines publications d'articles. À très bientôt !